Permet de dominer les autres êtres vivants de la nature et d'être à leur tête, donc le reflet de la domination céleste de Dieu, le Muntu suprême, la conscience suprême. Ainsi, tout cela explique la formule biblique de l'homme à l'image de Dieu et celle du Coran de l'homme en tant que représentant ou calife de Dieu sur la terre. Donc ainsi, c'était en ce qui concerne Atum et le lien avec le terme Muntu ou Bantu. Et avant de terminer cette vidéo, on va parler de l'explication des signes hiéroglyphiques qui désignent en fait le pays d'Égypte d'après les égyptologues comme étant prétendument Kemet, la terre noire, et de surcroît les Égyptiens comme étant des Kémites. Donc, terme largement adopté aujourd'hui par de nombreux noirs à travers le monde, aux États-Unis, en Europe, partout. Pour se désigner entre eux, depuis que ils savent que les anciens Égyptiens sont leurs ancêtres, même si la plupart n'ont donc pas encore fait le lien avec la langue du peuple originel, si le Tout-Puissant le permet, cela ne saurait tarder, et vous allez voir le changement dans les mentalités, dans les esprits des Afro-Américains, Afro-Caribéens, etc., qui vont s'empresser, puisque déjà ils se disent Kémites, ils regardent les croyants qui se mettent ça partout chez eux, mais puisqu'ils n'ont pas encore fait le lien avec la langue du peuple originel, donc la plupart ont un pied dedans, un pied dehors, un pied dans l'occidentalisme américain, etc., et un pied dans la tradition ancestrale du peuple originel, donc par l'Égypte antique. Mais ils oublient l'Afrique actuelle. Or, le pont entre les deux, c'est les langues africaines. Donc, si celui qui veut comprendre les hiéroglyphes doit comprendre les langues du peuple originel actuel, et celui qui veut comprendre les langues du peuple originel actuel et la culture du peuple originel doit s'intéresser aux hiéroglyphes égyptiens qui sont longs, qui sont bien plus qu'une écriture, ce sont les écritures sacrées, c'est l'équivalent de la Bible ou du Coran, d'où le fait que les égyptologues ne comprennent absolument rien. C'est pourquoi, si le Tout-Puissant le permet, on va vous faire des démonstrations et vous allez voir comme la Bible va vous sauter aux yeux, mais d'une manière quasi inimaginable sans faire ce lien-là. Et on va voir qu'au final, on retrouve le terme bantou avec une subtilité impressionnante et des permutations et autres tournures sémantiques de haut niveau. Donc, dans l'étude de la graphie, entre guillemets, de l'Égypte, donc en tant que Kémet, ou du peuple égyptien en tant que Kémite. Mais on va essayer de faire ça en bref, même si le Tout-Puissant le permet, on en reparlera un peu plus en détail pour ne pas trop s'écarter de notre thème de Atum, mais puisque de Amon plutôt, puisque on a déjà commencé à parler de Bantou, donc autant essayer d'aller jusqu'au bout. Donc, Kémet, selon les égyptologues, désigne la terre noire. Et c'est le nom de l'Égypte, donc du pays d'Égypte, c'est Kémet selon les égyptologues. En Médounéter, entre guillemets, donc en hiéroglyphe, cela se présente de la façon suivante. On a une peau de crocodile que les égyptologues appellent Kem, qui veut aussi dire noir. Mais plutôt pour nous, ça nous semble avant tout. Mais pour nous, cela nous semble avant tout être de la terre ou de la boue formant un pays. On va y revenir après. Et ensuite, on a une galette de pain ou un gâteau de pain, etc., découpé en deux ou bien posé tout simplement en entier. Et enfin, on a un croisement de villes. Donc, pour désigner une ville, un pays, tout ça. Et donc, on va maintenant décortiquer tous ces termes.
avec les hiéroglyphes et la langue du peuple originel, et une langue du peuple originel. Tout d'abord, la peau de crocodile Kem, ou la terre, comme on a dit, ou la boue qui forme un pays, comme on a dit, et non pas simplement une peau de crocodile, etc. Parce que d'autres vont dire c'est un morceau de charbon, mais très peu disent que c'est de la terre ou de la boue qui forme un pays. En Lingala, le crocodile se dit Ngandu ou Ngando. Et le pays, donc la terre, se dit Mboka. Mboka, par permutation, devient Kambo. Donc Mboka Mbo, Mboka Mbo. Donc c'est Mboka qui devient Kambo. Et cela veut dire une affaire, un problème important, etc. Qui veut aussi dire Ngambo. Donc de Kambo, on passe à Ngambo. Ou Ngambo. Qui veut dire problème. Exemple en Lingala, Omemi Likambo. Donc tu t'es fait des problèmes, ou bien Omemi Ngambo. Ngambo devient ensuite en face, donc le voisinage. Donc c'est là où on peut justement avoir des ennuis. On a plus de chances d'avoir des ennuis dans une grande ville avec beaucoup de gens, dont certains qu'on ne connaît pas, que dans un petit village. Donc Ngambo en face, donc dans le sens de voisinage, devient Ngambo, palabre. Notamment avec des voisins, puisqu'il y a beaucoup de gens, donc il y a beaucoup de palabres, donc Ngambo. Donc on est parti de Mboka, on a inversé à donner Kambo, et maintenant on se retrouve avec Ngambo, palabré. Notamment avec un voisin, etc. Ensuite on a Ngambo, ça veut dire célébrité, donc renom. La célébrité, le fait d'être une vedette. Notamment dans la ville où il y a beaucoup de monde. Donc, quelqu'un qui devient connu a plus de chances d'être connu dans une ville que dans un village. Donc, sa célébrité augmente. Donc, notamment, ça peut faire référence aux villes voisines, etc. Puisque ça s'agrandit, les périphéries, la banlieue et ainsi de suite. Donc, le voisinage. Donc, c'est Ngambo. Donc, en fait, on est tout simplement dans le sujet de la société qui est en train de s'agrandir. La célébrité, donc Ngambo, devient le héros, Ngambé. Donc héros, ça veut dire Ngambé, le renommé, le costaud, le robuste, le fort, etc. Et donc Ngambu, ça veut aussi dire côte, comme par exemple une rive qui se trouve proche de l'eau, etc., d'une rivière. Donc Ngambu. Et à partir de Ngambu, proche de l'eau, proche de la rivière, etc., donc la rive, ça donne Ngandu, donc le crocodile, qui a la peau robuste. Et il y a un autre animal, d'ailleurs, qui a la peau aussi robuste et qui vit au bord de l'eau, proche de l'eau ou dans l'eau, etc., c'est l'hippopotame, Ngubu. Et un objet robuste, par exemple, on a le bouclier qui se dit Nguba. Tout comme d'ailleurs la cacahuète qui se dit Nguba aussi, parce que c'est quelque chose qui est assez dur et robuste lorsqu'on le croque. Tout comme un autre animal qui est très robuste et qui est très utile à l'être humain, c'est le bœuf, Ngombe. Donc c'est un animal qui est robuste et qui symbolise en fait la sédentarisation. Donc le fait de s'installer et de ne pas être un nomade qui voyage avec sa tente au gré des circonstances, etc. La sédentarisation, c'est le fait de s'installer définitivement dans une localité, dans un pays, dans une ville, un village, etc., qui va s'agrandir, qui devient un pays, etc., etc. Donc le Ngombe joue un rôle important là-dedans, et il est donc répandu sur de grands espaces, mais il faut le conduire. Donc Kumba, Kumba, c'est Mbaku, l'inverse. Donc, ça ressemble à Mboka, toujours. Donc, c'est pour dire qu'on est toujours dans la même logique. Donc, conduire, c'est Kumba ou Gumba, avec un G au lieu du K. Notamment, conduire les animaux dans les pâturages, loin des concentrations de population.
Ces concentrations de population, des villes, etc., donnent le terme communauté qui veut dire lingomba. Donc vous voyez comment on progresse. Et souvent, ces communautés sont installées, entourées de montagnes, notamment pour se protéger avant qu'on commence à construire des remparts, etc. Et donc les montagnes, c'est Ngomba. Et au passage, le rempart se dit Lopango. Donc le lo, c'est en fait le préfixe. Donc Pango donne Ngompa. Donc c'est comme Ngomba, la montagne. On continue. Et avec le temps, donc, la communauté grandit et le lieu, en fait, devient Engumba, donc la ville en Lingala, où maintenant on croise beaucoup de gens. Donc croiser, c'est Kuta, Kokuta. Donc Kuta, c'est la racine. Donc Kuta, comme croiser des gens, etc. Et là, maintenant, on entre dans les mots du hibou, qui, comme on l'a vu, se retrouve dans la famille des mots du milieu, comme Kati. Intérieur, donc Kati aussi. On est bien en fait dans le sujet du croisement, donc de se croiser, etc., de croiser. Donc croisement Kuta. Et avec le hibou, le terme hibou, on l'a dit que c'est Esulu Ngutu. Donc c'est un peu en deux mots, Esulu Ngutu ou Nkutu, parce que le G et le K sont interchangeables. Donc, on peut aussi dire Kutu. On peut enlever le N devant la consonne première ou deuxième. Donc, Kutu en Lingala, donc pour désigner le hibou. En Kikongo, on va dire Kuti. Donc, le hibou qui est un animal de nuit. Donc, du secret ou de la clandestinité. On va dire bon Kutu. Donc, Kutu, c'est la racine. Donc, c'est comme le hibou, Kutu. Et en ville. En plus de croiser, on achète avec de la monnaie kuta. Ce qui provoque des arnaques et des mensonges, le kuta. Mais on est toujours dans le thème de se croiser, puisque la monnaie passe de main en main, les gens se croisent, achètent, etc. Donc kuta, la monnaie, mensonge, le kuta. Mais on doit vivre toujours à l'intérieur de la ville, kati, d'où la galette de pain, likate, ou kate, donc la racine, kate, en lingala, qui apparaît. Donc, dans la graphie de la ville soi-disant Kemet. Mais ce terme, donc de la galette de pain, est aussi considéré par les égyptologues comme la marque du féminin ou de la femme. Donc, en lingala, on dit Mouassi ou Moukati. En Tchiluba, on va dire Moukadji. En Kikongo, on va dire Kento ou Keto. Raison entre autres pour laquelle on utilise le signe hiéroglyphique du gâteau, donc mukate ou kate en lingala, et qui est souvent en fait interchangeable avec le hibou. Du coup, une fois encore, il faut se poser la question si les Bakongo n'ont aucun lien avec les Égyptiens, donc les soi-disant fils de Cham, et qui sont les fils de Sem, alors comment retrouve-t-on toutes ces correspondances? Bref. On nous dira peut-être que on parle ici du soi-disant esclavage en Égypte des Hébreux, mais dans ce cas, il faut reconnaître que les Israélites sont arrivés à 70 en Égypte. Une famille de 70 personnes ne peut pas posséder sa propre langue. Donc, ils ont tout simplement eu pour seule langue, donc la langue des Égyptiens. Et ce, jusqu'à Moïse, qui lui-même est né et a grandi en Égypte. Et pour ceux qui pencheraient plutôt vers le côté araméen, mésopotamien, syrien, etc., il faut savoir que le fondateur de la Mésopotamie, de la Syrie, etc., de Ninive, c'est Cush, hein, c'est le fils de Cush, Nimrod, dont on reparlera si le Tout-Puissant permet. Bref, on continue. Il faut dire qu'à propos du terme désignant donc la femme, on entrera en fait plus en détail, si le Tout-Puissant le permet, dans une vidéo sur Isis. Et là, c'est du très 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 haut niveau. Donc, si vous voulez comprendre le nom de Jésus-Christ, d'où ce terme-là vient, il faut d'abord comprendre d'où vient le nom de Isis.
mais dans nos langues. Donc vous allez comprendre que Isis n'a rien à voir avec toute l'imagination que les gens se font d'elle, tous les imaginaires, tous les trucs imaginaires qu'on dit sur Isis. Donc c'est un principe très profond dans les langues du peuple originel. Mais bon, certains voient des démons un peu partout, mais il faut remettre les choses au clair. C'est un peu comme si le diable, voyant que le peuple originel est en train de revenir à lui-même, eh bien maintenant il veut égarer, éloigner en disant, oh non, Isis, le démon, le diable, Satan, etc., etc. Mais on va voir qu'est-ce que veut dire Isis, etc. Vous allez voir que vous allez retrouver vos mères, vos femmes, vos enfants là-dedans. Bref, on passe. Donc toujours est-il que ce nom de la femme et du gâteau, donc Kate, se décline dans toutes les directions. Donc Kentu, Keto, Kuta, Kati, Kita, Keto, etc. Donc il rend compte du nom du hibou Kutu, Unkutu. Ou d'ailleurs en Tshiluba, on dira Mukute. Ce qui rappelle Kuta. Donc le fait de se rencontrer ou de se croiser en Lingala. Donc c'est une caractéristique de la ville où les gens se croisent tout simplement. Donc c'est pourquoi on a mis tous ces termes-là du milieu, du hibou, etc. Parce que tout ça, dans nos langues, ce sont des termes de la même famille. Aussi le terme d'ailleurs, donc là on parle bien de l'expression d'ailleurs, d'ailleurs qu'est-ce que tu veux? D'ailleurs ceci, d'ailleurs cela, en Lingala se dit Nkutu aussi. Car la ville attire les gens d'ailleurs, qui viennent se rencontrer. Donc Kuta, à l'intérieur de la ville Kati. Et enfin, on a donc le déterminatif qui montre clairement donc cette idée de se croiser et du voisinage, etc. Car on y voit quatre parcelles de maisons voisines l'une de l'autre, avec des points bleus que nous on a ajoutés. Et donc, ça forme un croisement, une croix, un carrefour. Cependant, le sens de ce carrefour insiste plus sur la division ou la séparation entre voisins, entre maisons voisines. Donc, d'où notamment ces quatre maisons-là qu'on voit en fait juste les bords, hein, les angles. Car sans cette croix, si on rapprochait en fait ces maisons vers le milieu, donc Kati en Lingala, on obtiendrait de ce dessin un simple cercle, tout simplement, un cercle uni. Mais en séparant donc ces quatre côtés-là, ces quatre angles de maison, eh bien, on a maintenant le croisement qui est le déterminatif de la ville. Donc, quand on veut représenter une ville, un endroit habité avec des maisons, etc., c'est ce déterminatif-là. Donc, la ville renvoie à la fois au croisement, mais aussi et surtout à la dispersion, à l'éclatement en plusieurs morceaux de tout un corps qui était unifié à la base et qui commence à partir dans tous les sens, dans toutes les directions, et ça s'agrandit, etc., par éclatement, par dispersion. Des familles qui vont se marier, des enfants qui font d'autres enfants, qui se marient, qui grandissent, etc., etc. En fait, cela fait référence au corps dispersé de Osiris, donc le fondateur de la civilisation égyptienne. D'où le terme ville en Kikongo, Mbanza. Comme par exemple la capitale du royaume Congo, on dit Mbanza Congo. Cela vient de Mbanza, la ville qui vient de Panza, dispersée, éparpillée, séparée, etc. En Lingala, tu veux aussi dire la ville, Panza. Donc c'est l'endroit où on vit, côte à côte, mais séparé par des croisements, des carrefours, etc. Et on a déjà vu le terme Ngambo pour désigner donc le voisinage ou le fait d'être à côté d'eux. Mais il y a aussi la côte, comme la côte de l'être humain qui se dit Mupanzi. On parle ici des côtes humaines, hein, on insiste bien là-dessus, qui sont des os disposés côte à côte. Et en Lingala, on dira Ngambo na Ngambo, donc côte à côte. Mais ces côtes-là sont tout de même séparées par le milieu, donc Kati, ou croisement Kuta. Donc par le milieu, ils sont séparés mais ils sont côte à côte. Au passage, la côte, donc la rive,
à côté de la mer se dit aussi Ngunda. C'est pourquoi on dit kubwaka Ngunda pour dire quitter son pays vers d'autres rives. Et bwaka, ça vient de boito, c'est-à-dire le bateau ou la pirogue dans nos langues, d'où le terme jeter, donc bwaka, comme jeter l'ancre, etc. Donc c'est toujours des liens fondamentaux, ontologiques, clairs, donc très profonds philosophiquement parlant. À partir des mots de la côte Ngambo ou des bords du pays, mais aussi les côtes humaines Panzi, que l'on appelle. C'est donc à partir de là qu'on appelle une ville Ngumba ou Mpanza ou Mbanza. Tout cela veut dire en fait la même chose. Mais ici, la ville est en déterminatif du nom de Kemet, du nom supposé de Kemet, donc on ne doit pas le lire à la base. Et si on s'en tient à la peau de crocodile, qui est en fait son camouflage dans la boue, où il est invisible, donc le plus important, c'est le terme de la boue ou de la terre, donc Mabele ou Mboka, ainsi que la galette de pain, Kate ou Kati, ce qui donne Kati à Mboka. Kati Yamboka, intérieur de la terre ou intérieur du pays, donc le pays. Et si on ajoute le dessin du carrefour, ce serait Katia Ngumba ou Katia Mpanza ou Mbanza. Voire encore Ngumba ya Kati, donc la ville de l'intérieur du pays. Ngumba ya Katia Mboka, donc la ville de l'intérieur du pays. Ou Mokumba ya Kati, c'est-à-dire la grossesse ou le fardeau de la femme. Symbole en fait de la multiplication ou bien de l'urbanisation. Et pour schématiser, on va dire que Mboka ou Mbanza, c'est le côté masculin de la ville ou du pays, et Ngumba, c'est le côté féminin, donc la ville. Mais l'un est en fait l'inversion de l'autre, tout comme la femme sort de la côte de l'homme, ou enfin, on parle ici, tout comme la femme sort de la côte de l'homme originel dans la Bible, ou bien de Atum, l'homme originel, comme on dit Adam dans la Bible, mais en même temps, c'est la femme qui met au monde toute l'humanité. Donc, il y a ce principe-là d'opposé, mais qui se complète, de contraire qui s'attire, etc. Ainsi donc, si on a Mboka, le pays, ou bien la terre qui est un élément masculin, et que ensuite on a Mokumba ou Mogumba, c'est-à-dire la grossesse de la femme, qui devient Egumba ou Ekumba, donc la ville, qui est un élément féminin, eh bien si on enlève les préfixes, que ce soit Mo de Mokumba, ou bien le E de Egumba ou Ekumba, eh bien il ne reste plus que Kumba ou Gumba. Et si on inverse, donc, on fait une permutation, on fait une métathèse de Kumba, ça devient Mbaku. Donc, la racine consonantique, c'est MBK, exactement comme Mboka, le pays ou la terre, élément masculin. Donc, on comprend que c'est une profonde philosophie, une profonde logique, mais qui n'est pas basée sur rien, c'est basé sur le sens profond des choses. Et c'est ainsi qu'on comprend que Mboka ou Egumba, la ville, donc Mboka le pays, eh bien c'est exactement du pareil au même. Surtout en sachant que à la base Mboka ça veut dire la terre où l'on vit. Ça peut même correspondre à un village. Mais en grandissant, en grossissant, comme une grossesse d'une femme, donc Mokumba, eh bien on fait des villes et des villes, etc. Mais la racine à l'origine étant déjà Mboka, donc on peut utiliser Mboka autant pour le village que pour le pays lorsqu'il est grand et qu'il contient des villes. Donc c'est vraiment une logique très très profonde et très très philosophique. Parce qu'au fond, on te dira que la femme vient de l'homme et que l'homme vient de la femme. Aussi, on connaît tous l'expression se tordre de douleur. Or, il y a les douleurs de l'enfantement. Et si vous allez regarder le mot tordre, vous allez vous rendre compte que c'est Kogumba ou Kokumba. Donc, il y a toujours le G ou le K. Donc, le G peut devenir K ou le K peut devenir G automatiquement.
Et pour montrer que Mboka, pays ou terre, est l'idée qui vient en premier dans cette graphie, on peut par exemple trouver sa métaphore dans un autre hiéroglyphe, dans une autre image. En fait, celle de la jarre, ou bien du vase de potier, ou bien de poterie, en Medouneter ou en hiéroglyphe, on la représente, cette vase de poterie, ou bien ce jarre, de la même façon que le mot Kemet. C'est-à-dire avec la peau de crocodile Kem et la galette de pain thé. Or, ici, quel est le rapport avec le noir en tant que tel? Eh bien, en fait, nous disons Mboka, donc la terre, et Kati, le pain, qui veut dire aussi l'intérieur, ou bien partagé, tranché, etc. en lingala, Kokata, donc Kata. Et enfin, il y a le déterminatif, en fait, qui représente une jarre, donc un pot, c'est-à-dire de la poterie, tout simplement. Mais on a dit qu'on ne doit pas lire le déterminatif. Ça nous dit simplement de quoi il s'agit. Mais or, en lingala, pour dire une jarre, on va dire mbeki. Donc, la racine, c'est la racine consonantique est mbk. Et pour la terre, on va dire mboka. La racine, c'est mbk. Car la jarre du potier vient de la terre. En lingala, on dira euti katia mboka. Ou bien katia mabele. Mais ça, c'est un autre sujet qui nous demandera en fait à développer, mais on en reparlerait si le Tout-Puissant le permet, lorsque on va parler de Nout et Geb. Mais c'est un autre sujet, si on en parle, si le Tout-Puissant le permet. Mais donc, on va dire Katia Mboka, donc de la terre du pays, donc Mboka. Et Mbeki, donc la poterie, le potier, la jarre, etc. Eh bien, c'est exactement la même racine consonantique. Car c'est avec la terre et de l'eau qu'on fait de la poterie. Donc cela vient de la terre, Katia Mboka. Et cela rejoint donc l'égyptologie qui dit Kemet, la terre noire. Car en effet, le limon égyptien, qui comme a dit Diodore de Sicile, est venu depuis les sources du Nil dans la région des Grands Lacs et qui, en s'écoulant à travers le fleuve, le Nil, a peu à peu formé des atterrissements, donc a formé le pays ou la terre d'Égypte, et c'est ce limon-là qui était noir. Et si on regarde la définition d'atterrissement, on nous dit nom masculin, terre apportée par la mer ou par un cours d'eau. Donc c'est ça. Le fameux Kemet, la fameuse terre noire entre guillemets. Donc le dessin Kem, qu'on dit la peau de crocodile, c'est d'abord en fait trois couches de terre apportées par l'eau, superposées pour montrer que c'est venu progressivement en se superposant et qui en durcissant comme la peau du crocodile a formé le pays d'Égypte. Donc Mboka, il y a Égypte. Mais avant de finir, il faut insister que la peau de crocodile a son importance comme la couleur du limon, car il est dit que c'est avec ce limon que l'homme a été formé, que ce soit dans l'Égypte antique ou dans la Bible. Car d'une part, la peau de crocodile se dit en lingala, poseyangandu. Mais n'oubliez pas que ici on parle d'une peau recouverte de boue noire. Si vous tapez juste crocodile et la boue sur Google, vous allez comprendre de quoi on parle. Et il faut insister que cette peau de crocodile devient noire comme le limon quand le crocodile est camouflé dans la boue. Je ne saurais dire en fait si cela a été fait exprès, comme beaucoup le disent, pour indiquer la couleur noire des anciens Égyptiens. Mais une chose est certaine, c'est que c'est clairement fait exprès pour indiquer la couleur noire de l'ancêtre des Égyptiens, c'est-à-dire Osiris. Surnommé, entre autres, le grand noir, que les égyptologues vont dire Kem-Our. Donc, cela explique aussi donc, la métaphore de Diodore de Sicile qui dit que les Éthiopiens disent que les Égyptiens sont une de leurs colonies emmenées par Osiris. Et juste après, il raconte en fait l'histoire du Nil, donc le fleuve qui apporte de la boue noire de la boue noire originaire de l'Éthiopie, donc de la région des Grands Lacs, pour fonder le pays d'Égypte. Donc, on voit la métaphore Osiris qui fonde l'Égypte et cette boue noire qui fonde l'Égypte. Donc, c'est une métaphore pour dire que c'est Osiris, donc cette boue noire qui a fondé l'Égypte. Et comme boue fait référence à l'humain, à l'homme,
formé de boue, eh bien, on comprend toute la profondeur. Mais que Diodore de Sicile ne va pas vous donner si déjà il connaît cette profondeur-là. Donc, le terme appelé Kemet, c'est bel et bien en référence à la peau noire du crocodile, mais lorsqu'il est camouflé dans la boue. Et il faut aussi savoir que le corps, même dans la Bible, est la métaphore du temple ou de la maison, comme l'église, le corps du Christ, comme on aime dire. L'Égypte, c'est le corps ou la maison de Osiris dispersé en plusieurs morceaux. On reparlera de tout ça au moment venu, si le Tout-Puissant le permet. Mais néanmoins, même la Bible, d'ailleurs, répète sans cesse que l'Égypte, en fait, c'est la maison de servitude. Donc, une maison, c'est une métaphore du pays. Et c'est aussi une métaphore du corps ou du temple. Et donc, sachez que le crocodile vit sur les rives, donc proche de l'eau. Et rive se dit, entre autres, Ngunda. Et le crocodile se dit Ngandu en Lingala. Donc, ce terme-là, en dérivant en Nganda, signifie la maison. Et ça, c'est dans beaucoup de langues en Afrique. En Lingala, pour dire une petite maison ou bien une auberge pour passer une nuit, voire même un bar ou un restaurant pour s'asseoir et manger, ou encore même une cabane, un campement, on va dire Nganda, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est l'équivalent de quand la Bible dit, par exemple, les tentes de l'Éthiopie, les tentes de Kedar, les tentes d'Abraham, etc. On parle de ces petits campements de huttes, de cabanes, etc. C'est cela à l'origine un Nganda, car les Égyptiens viennent d'Afrique des Grands Lacs et au départ, les villes étaient simplement composées de Nganda provisoires tout au long de leur parcours proche des rives Ngunda. Car l'eau est primordiale pour vivre, surtout lorsqu'on est en déplacement. Donc c'est cela en fait, par la multiplication de ces Nganda, qui est la base qui forme un pays, donc la terre avec ses villes. D'où l'importance de cette image à double sens. Donc cela se rapporte en fait aussi du coup à la sédentarisation, c'est-à-dire le fait de s'installer définitivement dans un lieu pour y vivre. Donc forcément aussi pour y mourir. Donc être enterré, parce qu'il faut enterrer les morts. Et donc, du crocodile Ngandu ou Ngando, on obtient Nganda, la maison. Le G peut se transformer en K et les voyelles A, O, U, etc. peuvent varier et se remplacer mutuellement. Donc du coup, on obtient à partir de Ngando et de Nganda le terme enterré Kunda. Donc cela se rapporte aussi à Osiris et du coup aussi au crocodile qui, comme on l'a vu, peut rester caché sous la boue ou la terre et ne faire que un avec elle pour surprendre sa proie. D'autant plus que cet animal-là peut rester même sous la boue ou dans la même sous l'eau ou sous la boue pendant des heures et des heures sans même bouger d'un seul poil ou plutôt d'un écaille. Et pour prouver que le terme Kunda, donc enterré, vient aussi de Nganda, la maison, qui elle-même est en fait la métaphore du pays, donc de la terre, on a vu qu'en Kikongo, une des façons de dire maison est Kunda. Ce qui se trouve être en fait la parfaite permutation de Ndaku, donc la maison en Lingala. Kunda, Ndaku, 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 Ndaku. Et on sait que la maison doit être profondément enracinée dans la terre. Donc, c'est pour durer, parce que c'est pour durer. Donc, on comprend que le crocodile a bel et bien toute son importance dans la graphie qui désigne le pays d'Égypte, soi-disant Kemet. Mais pour terminer, on va voir que cette graphie peut aussi se lire Bantu. En effet, parce que en effet, le même signe, donc de Kemet désigne en hiéroglyphe aussi le peuple égyptien, donc l'Égyptien en tant que peuple, d'où l'idée de dire à la fois le pays Kemet et à la fois les Égyptiens, les Kémites. Mais vous allez voir que non, c'est les Bantous. Pour en fait, la seule différence entre le pays et le peuple dans la représentation hiéroglyphe,
c'est que le déterminatif du carrefour ou bien du croisement, qui représente donc les villes, les lieux habités, etc., où on se croise, se trouve être remplacé en fait par un homme et une femme avec trois traits verticaux, donc ça marque le pluriel, donc ça marque les gens, les personnes. Eh bien, dans ce cas-là, on retrouve en fait la peau de crocodile avec la galette de pain toujours. La peau de crocodile qui désigne donc la terre noire ou le limon qui devient le pays en Lingala, on sait que ça se dit Mboka. Et chez nos ancêtres, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la terre désigne en fait le masculin. Et le ciel en fait désigne le féminin. D'ailleurs, dans la Bible, c'est Dieu qui apporte la femme à l'homme. Et Dieu, c'est le ciel. Et l'homme, lui, il a été fait directement de la terre, de la glaise, de la boue, etc. à l'origine. Et aussi, d'ailleurs, la divinité appelée Geb, donc la divinité de la terre, donc le père de Osiris, d'ailleurs, au passage, eh ben, son nom, on l'appelle Geb ou Keb. Mais en fait, si vous inversez, vous permutez, vous avez Bok ou Bek, Mbok, etc. En fait, ça vient de Mboka, mais c'est beaucoup plus profond que ça, parce que son nom veut aussi dire Koba. Donc, c'est tellement profond, mais si le Tout-Puissant le permet, on en parlera. Et donc, on a aussi la galette de pain, donc Kate, mais qui se dit aussi Kuta, Kutu, Kunti, Kuntu, Kento, etc., qui se rapporte au terme de la femme, etc. C'est donc en mélangeant les deux termes masculin et féminin qu'on obtient le terme bato ou bantu. Donc les êtres humains, car il ne faut pas oublier deux choses. Les humains viennent de la terre, selon la Bible et la tradition de l'Égypte antique. Et toujours selon ces deux traditions, les humains viennent de la femme. D'ailleurs, dans la Bible, Ève est appelée ainsi car elle est la mère de tous les vivants. C'est donc en unissant ces deux termes-là qu'on obtient le terme bantou. Ainsi, vous devez prendre donc Mboka, vous prenez le Mbo ou le Bo de l'homme qui se dit Mobali au passage, qui se dit Mobali en Lingala. On garde donc le Mbo qui en Lingala se dit aussi Mo. Donc Mbo se dit aussi Mo ou Bo, Ba, etc. Comme par exemple pour dire tordre, on peut dire Kamola ou Kambola. La différence entre le M et le B, c'est souvent en fait le singulier et le pluriel, mais pas toujours. Parfois c'est même l'inverse. On poursuit. On prend ensuite le son K de Mboka et on le fusionne avec le son K de Kati, Kutu, etc. Et on les élimine tous les deux en même temps. Comme en mathématiques, deux opposés semblables s'annulent. Exemple, moins 2 plus 2 égale 0. Un peu comme si le son K, Ki, Ko, etc. était un préfixe pour Kati. Et le son Ko est d'ailleurs généralement la marque de l'infinitif, de sorte que la plupart des termes que nous avons employés pouvaient posséder en fait un Ko, comme par exemple entrée, Kokota. Mais on sait que la racine est Kota, donc on peut supprimer le Ko. On pouvait aussi très bien ajouter Ko, et donc de ce fait là, on pouvait très bien ajouter ou supprimer les Ko dépendamment du sujet dont on parlait en tant qu'un préfixe. Et enfin, on garde le son Tu, donc de la galette de pain, qui désigne aussi la femme, le féminin, Kati, Kutu, Kate, Kentu, Keto, etc. Donc il ne reste plus que le Tu, Untu, de la fusion des deux termes Mboka et Ketu. Donc Mbutu, Muntu en fait. Dès lors qu'on enlève le B devant le M, après le M. Donc on a Mo et Ketu, la femme, on a Tu. Donc Mutu. Donc pays masculin féminin. Ou bien Bantu au pluriel. Mais comme ici on parle du pluriel, comme l'indique le déterminatif, donc il ne reste plus que Bantu. Donc en fait, c'est le Bo qui l'emporte sur le M, finalement, si on parle du pluriel. Donc ça donne Bantu, parce que le N devant un K est toujours susceptible d'être là ou bien d'être absent, présent ou absent. Donc on pourrait dire Batu, Botu, on peut dire Batu,
ou bien Bantu, Muntu ou bien Mutu. Et il est important de retenir que les voyelles peuvent varier dans différentes directions avec différents sons. Ainsi donc, je répète, nous avons Mboka qui veut dire le pays ou la terre, qui est un élément masculin. Ensuite, nous avons Kantu, Kati, Keto, Kento, etc., qui font référence à la femme, à l'intérieur, à la galette de pain et ainsi de suite, qui sont des éléments du féminin. Et si on additionne Mboka, la terre, et Kantu, la galette de pain, ou bien le demi-cercle, le demi-lune, etc., qui d'ailleurs exprime bien la position d'être au-dessus. Mais on rentrera plus en profondeur dans une autre vidéo si le Tout-Puissant le permet. Et donc, on obtient le terme Mboka Kantu, qui ne nous dit pas grand-chose. Et comme nous avons deux fois le son K et K Kantu, dans Mboka Kantu, alors on va procéder en éliminant les deux tout simplement, comme s'ils s'annulaient mutuellement l'un et l'autre. Ensuite, non seulement le M et le B sont interchangeables, mais en plus, lorsqu'ils sont collés ensemble, on peut choisir l'un des deux de préférence. On va dire le M qui vient ici en premier lieu, comme par exemple pour dire Dieu soit loué, on va dire Nzambe Akumbama. Ou bien, on va plutôt dire Nzambe Akumama. Et il suffit de taper par exemple sur YouTube Kumama et vous allez voir apparaître un grand nombre de chansons religieuses en lingala avec ce titre-là. Mais il est beaucoup plus difficile de trouver une chanson avec le Kumbama, avec la lettre B. En plus, le M et le B servent souvent, tantôt pour le pluriel, tantôt pour le singulier, et vice-versa. Donc, on parle de deux sons ou lettres qui sont en fait indispensables. Donc, au lieu de les éliminer, on va plutôt en réserver un, à savoir la lettre B, et garder la lettre M qui vient en première position. Et le résultat de l'addition de Mboka et Kantu devient Muntu. Donc, la lettre O de Muntu ici, sachant que le O et le U sont interchangeables, donc on peut dire Montu ou Muntu. Et au pluriel, on dira forcément Bantu. Et ainsi, on va retrouver la lettre B que on avait gardée en réserve. Et donc, une fois encore, on voit que les Égyptiens eux-mêmes se faisaient appeler des Bantus, donc l'équivalent des êtres humains ou de l'humanité, et non pas des Kémites. De même, ils ne se faisaient pas appeler non plus Remetu, mais plutôt Muntumukulu, ou Bantumukulu, ou Bakulu, etc. Ce qui veut dire les hommes par excellence qui aspirent à la divinité dans la vie future, c'est-à-dire à l'immortalité ou à l'éternité, d'où un comportement en accord avec le Créateur éternel. Mais aussi le terme Muntumukulu signifie les aînés de l'humanité, c'est-à-dire le peuple originel. C'était quelque chose qui leur tenait beaucoup à cœur. C'est ce que nous fait remarquer Hérodote, mais aussi Diodore de Sicile et d'autres encore comme Platon dans le Timée. Les Égyptiens voyaient les Grecs comme des enfants. Et à chaque fois, on constate que les seuls qui étaient considérés comme étant aussi anciens que les anciens Égyptiens, eh bien, c'était les Éthiopiens. Notamment en ce qui concerne la circoncision, etc. C'est toujours les deux. Mais l'énigme est résolue facilement dans la mesure où c'est un même peuple à l'origine qui ont commencé à fonder des colonies et ainsi de suite. Donc voilà encore une fois, sans entrer en détail parce qu'on a déjà pris trop de temps. Une fois encore, donc en dehors du nom de Atum, voilà comment les anciens Égyptiens se faisaient appeler Bantou, même si avec Atum cela suffisait, mais il est clair que ici le terme qu'on utilise, autant le terme qu'on utilise tant pour dire Kémet des égyptologues, n'est autre qu'une permutation qui donne Kimuntu. Donc, encore et toujours Bantu lorsque on l'emploie au pluriel.
Atum, qui au passage est en fait justement la fusion de l'homme complet, c'est-à-dire masculin et féminin, puisque à la base, quand on regarde l'Énéade, Atum est comme Adam lors de la création, il est tout seul, il n'a pas de femme, donc il est complet, il est homme et femme en même temps. Donc d'où l'idée pour produire ce terme bantu à partir de Atum. Donc il fallait justement, non pas à partir de Atum, à partir du pays plutôt, eh bien il fallait se référer au fait que il fallait fusionner les termes de la terre d'où est sorti l'humain et du ciel, donc Dieu a donné à la femme, pour retrouver en fait cette complétude-là, cette fusion, pour obtenir cette fusion et pour être complet. Et donc, c'est encore en fait Atum qui est au final toujours la clé de l'énigme, donc on ne peut pas vraiment dire sans Atum. Bon, et pour ceux qui croient que c'est un tour de passe-passe en mélangeant des mots, etc., sachez qu'on aura largement l'occasion, si le Tout-Puissant le permet, de montrer que cette façon de faire en éliminant des sons communs entre deux termes pour les fusionner s'applique souvent dans nos langues du peuple originel. Et il se trouve que même les égyptologues appliquent cette méthode lorsque ils parlent notamment de compléments phonétiques, etc. Tantôt, on prend une lettre d'un signe au début ou à la fin de la graphie, voire au milieu, etc. Mais on en reparlera si le Tout-Puissant le permet. On a déjà vu ça un peu avec Amon, hein, puisqu'on a une feuille de roseau qui pour eux représente la lettre A. Ensuite, on a un damier qui représente le son men. Donc ça donne déjà Amen ou Amon. Mais il y a un filet d'eau derrière et ils disent que ce filet d'eau représente la lettre N. Donc du coup, c'est pour insister que Amon se termine bien par la lettre N. Donc ça, c'est leur composition, etc. Donc il y a plein de cas de figure comme ça où on te dit que voilà, tel mot est là, mais tu ne le vois pas. Notamment, par exemple, dans Geb, on te dit que le canard se dit ça, et puis tu as un pied derrière qui se dit soi-disant B, et on obtient Geb. Pourquoi c'est pas Sab ou Seb, etc. Donc, c'est des choses, mais ça, c'est pas notre sujet du jour. On aura l'occasion, si le Tout-Puissant le permet, d'en reparler. Parce que sinon, la vidéo durerait trop longtemps pour donner aussi des exemples dans nos langues du peuple originel où cette méthode existe bien. Et dans les hiéroglyphes aussi, ça arrive très très souvent. Donc c'est pas quelque chose qui est très rare, qui est isolé. Et vous allez voir que c'est toujours cohérent et c'est toujours logique. Donc on aura l'occasion de revenir même sur le terme Kemet plus en détail si le Tout-Puissant le permet. Et là, vous allez voir d'autres démonstrations. Mais là, on a largement dépassé le temps, on a largement dépassé notre sujet. Mais donc pour conclure, on va simplement dire que à la base de la graphie, donc c'est-à-dire de Kemet pour désigner le peuple, peut dire par exemple Katsi Yamboka, qui veut dire originaire ou sorti de l'intérieur de la terre, etc. Comme dans la Bible, on a dit déjà, Adam veut dire la terre et la terre veut dire Adam, donc l'être humain, ce qui est aussi toujours en fait la signification de Bantou. Et si maintenant on voulait inverser le terme Bantou lui-même, qu'on a obtenu à partir de Mboka et Keto. On a vu que le M et le B sont interchangeables. Donc, de Bantu, lorsqu'on inverse, on donne Touba. Eh bien, on revient à Ntoma. Si on change le B en M. Ou si on utilise Muntu au singulier, on obtient par permutation Tumu. Donc, on a Ntumu, Ntoma, qui veut dire en fait représentant ou ambassadeur de Atum. Atum qui veut dire l'humanité entière ou tout simplement l'être entier indivisible que l'égyptologie traduit par Tumu qui est en fait le tout. Eh bien, dans nos langues du peuple originel comme le Kikongo, le Lingala ou le Tshiluba, on va dire Banso, Nyoso, Manso, etc. pour dire la totalité, pour dire le tout. En fait, c'est simplement le T de Bantu ou de Muntu qui est devenu un S. Chose très connue, même en français, lorsque on dit par exemple patience, au lieu de dire patience, on dit patience, donc le T se prononce S.
Et pourtant, on a bien écrit avec un T. Donc, en lingala, on joue aussi beaucoup avec le son T et les S, par exemple, pour dire l'affaire interne, une affaire interne, ou les affaires internes, on va dire masolo ya kati ou masolo ya katsi. Ou encore pour je veux pas, pour dire je veux pas, je refuse, on va dire nalingi te ou nalingi tse. Et les choses vont beaucoup plus loin et sont beaucoup plus profondes, ce qui explique pourquoi aujourd'hui on utilise plutôt en lingala asi ou moasi au lieu de mukati, au lieu de kati ou mukati pour désigner la femme, alors qu'en Tshiluba, en Kikongo, on a conservé mukaji ou muka, on a conservé kaji ou mukaji, on a conservé kentu ou keto, etc. Mais pour le lingala, cela s'explique aisément et clairement par le nom de Isis. Et pourtant, tout en lingala rappelle le terme d'origine, donc kati ou mukati, pour désigner la femme. Comme par exemple le beignet ou le gâteau, mukate, le caleçon ou le slip se dit mukadi. Or, un sous-vêtement, en fait, c'est le vêtement de l'intérieur. Donc, vêtement ya kati, donc intérieur. Mais, ça, c'est pas notre sujet du jour. Nous devons en fait conclure cette vidéo. Mais on y reviendra si le Tout-Puissant le permet. Donc, on va dire la chose suivante pour terminer. Pour dire l'humanité entière, en lingala, etc., on va dire bantobanso. Tout comme on a salué au début de cette vidéo. Bantobanso, ou bantomanso, ou mutumanso, ou mutunyoso. Ce qui revient à dire en réalité bantou, bantou. Donc, simplement le T qui a été remplacé par un S. Ou bien de dire muntu muntu. Donc bantu bantu ou muntu muntu. C'est simplement le T qui est devenu un S. Cela se confirme aussi d'ailleurs en swahili où humanité se dit, donc toute l'humanité, où humanité se dit wantu ou watu. Et le terme tout ou bien totalité se dit wote ou watu. Ce qui donne wantu ou watu wote. Watu wote. Donc c'est la même chose qu'en lingala, bantu banso, mutu monso, etc., etc., mutu nyoso. C'est comme dire en fait bantu banso ou bantu bantu, etc. Donc on comprend clairement pourquoi que l'on dise atum ou tum pour désigner l'humanité, ou bien la notion du tout, de l'entièreté, de la totalité, du complet, de l'univers, etc. C'est bien, et eh bien tout cela revient à dire exactement la même chose. Et les hiéroglyphes sont là pour en témoigner de l'exactitude, donc de la tradition du peuple originel, le Kwan Kulu, malgré les milliers d'années qui sont écoulées. On voit que le traîneau de Atum veut dire la totalité, veut dire ce qui est en tête devant, veut dire humanité et veut dire totalité. Et ici, on n'a pas présenté les choses dans toute leur profondeur, car on est complètement sorti de notre thème central qui est Amon. Mais si le Tout-Puissant le permet, on reviendra là-dessus. Donc ainsi, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment Atum, en tant qu'Amon, était prié et invoqué par les Égyptiens de l'Antiquité, qui utilisaient le terme Amen à la fin de leur invocation. Et ce, bien avant les chrétiens, les juifs et aussi avant les musulmans. Donc, on verra ça si le Tout-Puissant le permet. Paix, vie, force et santé en salutation.